Nous c'est Marchandises en Haïti. Quel que soit côté information, nous pourrons chercher pour le baou Jean-Lia. Bonjour, bonsoir à tout le monde. Dépendamment de l'heure, vous pouvez regarder la vidéo ça. Et pas oublier consommer mon Pemba qui c'est Marchandises en Haïti. Jeudi, c'est jeudi 12 novembre 2020. C'est le premier bulletin d'information journée 1 qui rentre dans la caillou comme d'habitude. Grand point cap dominé actualité, c'est la mort Juventa Cantave qui est un nom artiste Julie qui mourit dans une condition vraiment tragique. Nous allons venir avec des détails tout à l'heure comme ça. Yon l'autre bord, entièrement Evelyne Sincère, c'est jeudi à même lui chanter et gagner papa Evelyne Sincère qui t'a envoyé un gros message by tout parent que nous pourrons faire entendre tout à l'heure comme ça. Haïti, insécurité, ministre Justice Rockefeller Vincent lancé une opération qui baptisait zéro tolérance sur tout le territoire national, là, surtout dans la zone Belay. Donc c'est tout détail ça que nous pourrons venir à Kéopou, à Clot encore. Sous Maman Pemba, qui c'est Marchandises en Haïti. Mais avant même que nous rentrions dans les détails en quelques secondes, encouragez-nous, invitez famille, amis, abonnés, si vous pouvez faire ça. Et nous allons faire regarder un petit bout de vidéo, une façon pour capable voir comment pour cocher le petit cloche, parce que c'est vraiment important. Ça va permettre à ce que chaque vidéo que vous laguez, YouTube voyez notification bas. Prends quelques secondes seulement, cherchez Marchandises en Haïti. Après ça, gardez à gauche ou après subscribe ou bien abonner. Là où fin abonné, voyagez à droite écran ou après yon petit cloche. Là fin peser petit cloche là, retirez sous personnalisé, mettez le sous tout. Bouik chargez pas campion après entrer dans grand point cap dominé actualité à Juventa Cantave. Non artiste c'est Julie, yon jeune demoiselle. Donc elle a gagné 23 récords café sous tête li qui était sorti à le travail jour qui était mercredi 11 novembre 2021, pendant les sorties à le travail, parents d'Abrel dans le téléphone, yo pas jam ka joine li. N'a rappelé que c'était premier job li, donc c'est première fois li t'a travail dans ville, c'est premier job li jeune. Li était décidé à le travail et parents qui wè li pas rentré, yo a relé dans le téléphone, yo pas jam ka joine li. C'est le ça yo t'ai commencé tard, yo t'ai décidé à le chercher dans travail li. Le parent rivé, yo joine li mouri, tête li plein sang dans entreprise côté le tap travail là et qui c'est propriété un certain Jean-Jacques sous route Tabarlan. Donc boulevard 15 octobre. Donc c'est là que yo joine li mouri hier mercredi 11 novembre 2021. Jeune Diulia, tête li plein sang, semblait donc moun donc mettre travail là ou bien donc tabal cou, ensuite li toufel, mais rete branché, n'a pas suivre dossier ça de près dès que gagne update, nous gagne plus de détails toujours concernant donc la mort jeune demoiselle ça, mais qui selon premier élément d'information yo, c'est à toufel ou toufel et tête li plein sang, jeune li mouri dans même entreprise ça que le tal travail là. Donc c'est vraiment triste pour eux, malgré que l'a cherché la vie, l'a cherché côté donc pour le travail et li lever là le travail famille pas joigni. Donc c'est bien tout parce que si mon yo était un petit genre retardé, il y a information qui t'a fait quoi que c'est manœuvre monsieur t'a fait pour la jeter, c'est pendant que famille a pris le lieu pas joigni, leur arrivé sur le lieu. Le jeune est tout fait en d'un business même, donc c'est ça que fait. L'homme, on a un proche ou pas, ou on chercher. Ce qu'on écoute, le talent, c'est fait en sorte que Walde yel avant le pas trop tard, parce que là, il est vraiment plus facile pour DCPJ mener enquête pour qu'on ait comment ça fait tout bagaille net, parce que là, en d'un business, tout fait, pas gagné pile casse tête pour faire un paquet de recherches, etc. Bah, il vient, on est déjà plus facile là. Donc, restez branchés, nous venons avec plus de détails concernant information ça. Rappelez que aujourd'hui, c'est entièrement Evelyne Sincère qui chantait. Donc, c'est dans Plaisance du Sud que entièrement la chantait. Donc, toute bagaille était en fait. Donc, entièrement en fait. Et c'est aujourd'hui même dans l'après-midi, le chantait. Après une décision qui te prend entre famille moi et autorité parce que le cadavre est arrivé, au moment les pattes carrées étaient gâtées, donc pas de gain le choix, été obligé enterrer Evelyne Sincère. Donc c'est dans Plaisance du Sud que famille a enterré le même Jean Grégory Saint-Hilaire, c'est bien loin tout, il a enterré. Eh bien, il y a papa Evelyne Sincère
qui était un jeune de prière, côté l'étonnant assemblée, église assemblée donc, de Jésus-Christ, qui a fait un montagne Sion. Voyez un gros message pour toutes parents. Donc, on est papa Evelyn, c'est ça. Et qui perdu un petit fil dans une condition vraiment tragique comme ça. Donc, l'été, voyez un message vibrant pour tout parent. Nous voyons la vidéo, regardez, étendez, papa Evelyn Sincère qui t'a parlé, qui était dans un jeune hier, côté elle t'a lancé message ça. Capable Seigneur, alors du pouvoir Seigneur, l'autorité mon Dieu, l'autorité mon Dieu, l'autorité mon Dieu. Une deuxième fois la peine de Dieu avec nous. Oui, ton bien c'est pour moi. Malgré. Nous sommes dans nous. Nous avons dit que nous ne sommes pas capables. Nous avons dit que nous ne sommes pas capables. Nous avons dit que nous ne sommes pas capables. Nous avons dit que nous ne sommes pas capables. Nous avons dit que nous ne sommes pas capables. Nous avons dit que nous ne sommes pas capables. Nous avons le monde. Tout ce qu'on est bagaille, ça va comme difficile. Nous croyons les mots d'autres bouleversés de Baël. Je pense que c'est ce qui est fait difficile. Le bon Dieu lui-même, et puis si tu m'as l'air, c'est un peu. Ça fait nous-mêmes. Soit que dans l'époque de ta kidnappée, nous faisons difficile là. Mettez de l'école. Mettez de l'école. Faites quoi avec tout ça. Pas de tout ça et Dieu qui est besoin. Même si nous ne pas normalement ça à nous. Mais avec ça qui est fait, nous avons fait progrès. Nous avons fait le bâton qui nous. Pas de tout ça. Il va faire l'école qui nous. Et toi, Père, nous avons besoin de bénir. Nous avons besoin de chaque moment. Nous avons besoin de gros. Haïti phénomène insécurité ça qui continue à mettre de l'eau dans en pile famille de jour en jour et de temps en temps gon phénomène disparaît dans moment on a parlé là virer tourner mon a disparaître yo pas Jean Moyo gagner ces cadavres à le découvrir donc c'est vraiment triste Jean Bagayou a évolué dans pays là ben gagner ministre justice là Rockefeller Vincent qui lance une opération qui baptisait zéro tolérance sur tout le territoire Papa Nation Jean-Jacques Dessalines surtout sous Bel Air et ben ministre justice qui t'a parlé et le tout bail bilan opération que la police menait donc c'est en français en tout cas toujours a dit autorité le n'a pas parlé pour peuple pour monde comprendre parler créole c'est pas en français ça des fois mon yo pas même comprendre ça wap di a lò konnen ke c'est toute une population vi yo en danger wap voye un message ba yo parle créole ou fini parce que konnen majorité moun c'est créole yo parle en tout cas m'ap evite nou gade étendez ministre justice Rockefeller Vincent la situation sécuritaire globale dans le pays est préoccupante les familles sont fatiguées de pleurer la mort de leurs proches en raison d'un accroissement évident des cas de criminalité sur l'ensemble du territoire national. En effet, au plus haut niveau de l'État, nous sommes conscients de cet état de fait et sommes en train de tout mettre en œuvre en vue de continuer à troubler le sommeil et la tranquillité d'esprit des bandits et permettre le retour au calme dans le pays. La situation est certes grave, mais elle est sous contrôle. De multiples enquêtes et opérations ont été conduites
en vue de traquer les voyous qui sèment la peine et le deuil dans les familles haïtiennes. Messieurs les représentants du directeur général de la police nationale, je vous passe des instructions fermes et claires en vue d'adopter des mesures sévères à l'encontre de ces bandits qui constituent un cancer pour la bonne marche du pays en général. Je vous enjoins de prendre toutes les dispositions préventives et répressives nécessaires afin de les traquer jusqu'à leur dernier retranchement. Toutes les structures de sécurité du pays doivent être sur leur pied de guerre. À tous les commissaires du gouvernement chargés de mettre l'action publique en mouvement contre les contrevenants à la loi, je vous enjoins de rester en état de veille permanente. Je profite de cet instant solennel pour m'adresser au commissaire du gouvernement de la zone métropolitaine et à celui de Saint-Marc, à celui de Miragoâne, plus spécifiquement vu le nombre de cas de criminalité enregistrés au sein des juridictions placées sous leur contrôle. Un signal fort doit être envoyé à la population. Tolérance zéro contre les bandits. Zam pas métier. Lorsque les zam n'ont même la mené en prison ou bien dans le cimetière. L'État ne peut pas s'y tirer aucun bandit. Par ailleurs, en ma qualité de ministre de la Justice et de la Sécurité publique, et père de famille à la fois, je demande aux parents d'exercer leur droit de garde sur leurs enfants mineurs et de veiller aux fréquentations de leurs adolescents. La famille, c'est la cellule de base de toute société. Donc, tant vaut la famille, tant vaut la société. Les structures étatiques sont en train de se mettre en quatre pour résorber la criminalité sur l'ensemble du territoire national. Parallèlement, je lance aussi un vibrant appel aux parents qui doivent conjuguer leurs efforts en évitant de laisser leurs enfants à la dérive. Peuple, calégez-nous. Géoué, bouche palé. Si pas gain si tirez, pas gain volé. Aidez la police, fait travail. Pas si tirer bandit, pas de concordat avec bandit. Dénoncez au bail la police. Cela peut aider à sauver des vies. Et ce faisant, vous faites montre votre sens de bon citoyen. Le ministre de la Justice et de la Sécurité publique ne reste pas seulement à son bureau. Le 24 octobre 2020, le ministre de l'Intérieur, le commissaire du gouvernement pour les tribunaux de première instance de Port-au-Prince et moi, nous étions dans les rues à 1h du matin. Le nommé Dolcé Sébastien Josué était arrêté en face de l'hôtel Oasis. Il avait en sa possession un fusil d'assaut. Vers 1h du matin, son dossier est envoyé au cabinet de juge. Le même jour, Anderson Benjamin et Widmak Jean-Baptiste, ils ont été arrêtés en face du collège canado-haïtien avec une arme de calibre 38. Son dossier a été déféré au correctionnel pour détention illégale d'Amaf. Le BLTS a opéré plusieurs saisies de cargaison d'armes à feu, particulièrement à Saint-Marc et au Cap-Haïtien récemment. Le 1er novembre 2020, dans la zone de l'Ancaë, des bandits ont kidnappé Mme Suzanne Hilaire,
le 2 novembre 2020, et jeune Félix Lovinsky Succès et Lamar René ont été arrêtés. Le dossier est actuellement au cabinet d'instruction. L'otage a finalement été relâché. Pour le dossier Evelyne Saint-Saël, dans ce dossier, la jeune écolière sauvagement assassinée le dimanche 1er novembre. Son cadavre a été découvert sur les détritus à Delma 24. Le juge de paix de Delma, maître Jean-Fleury Raymond, a procédé au constat du cadavre. Après ce constat, le parquet de Port-au-Prince a donné délégation de pouvoir à la DCPJ pour approfondir l'enquête. Le nommé Obed Kiki Joseph a donc été arrêté lundi 9 novembre à 3h du matin à Delma 24. Une opération de la PNH a permis de mettre la main au collègue de Éval Domessan et Michel Jerry Domersan pour leur implication présumée dans l'assassinat de la jeune écolière. Ils sont tous passés aux aveux. Mercredi 10 novembre 2020, le CG de Port-au-Prince a adressé une correspondance au docteur Armel Demorcy qui a réalisé l'autopsie du cadavre. Un gang armé a été démantelé à Gromont, zone Sidavi. Ce gang a tiré sur le cortège de la première dame sortant de Port-de-Paix pour rentrer à Port-au-Prince. Le chef du gang, Verdeus, après Dieu alias Thibout, a été arrêté au Gonaïve. Donnel Souffrant, un autre membre du gang, a été arrêté à Grepin. Ses malfrats ont aussi participé dans l'assassinat d'un inspecteur de police à Bassin-Bleu. Le 4 novembre dernier, Jean-Patrick a été arrêté pour enlèvement et séquestration. Ce dossier est au cabinet d'instruction et j'ai eu des rapports sur une kyrielle d'autres cas similaires. Donc, travail là a continué sans grand souffle. J'exige de la PNH de lancer une opération tolérance zéro contre le kidnapping qui décapitalise toutes les couches de la société et qui nuit à la quiétude d'esprit des citoyens paisibles. La PNH doit identifier les foyers et réseaux de kidnapping et agir efficacement et professionnellement afin de mettre cette rouille hors d'état de nuire. Les policiers de service doivent être clairement identifiables. Le port de la cagoule doit être mieux réglementé. Il faut s'assurer d'un contrôle effectif du personnel policier, tant au niveau des commissariats que des unités spécialisées. C'est volet qui s'y tirait volet. C'est kidnappé qui s'y tirait kidnappé. Parents, voyager sous petit nous, voisins ou même tout, ou concernés. Veillez si pas des mauvais envies dans l'entourage ou pour dénoncer. Opération sans prendre souffle. N'a mobilisé toute force de l'ordre. En permanence, population a mérité la paix. Un peu de monde a préparé pour profiter faire des ordres. Dans une date importante dans l'histoire, nous, tant qu'au 18 novembre, pour craser le business monde, voler à faire monde, et détruit bien l'État. Un pile citoyen veut profiter de dates ça pour revendiquer, pour l'État tendre yo, mais un pile l'autre gain temps à préparer yo pour kidnapping, des choucailles, avec l'autre zak malhonnête. Pas oublier, peuple haïtien, du 18 novembre symbolisé dans l'histoire, nous, date nous t'es affronté la même puissance coloniale là, et nous battons. Nous te battions pas parce que nous te gagnons des armes, mais parce que liberté pas de prix. Jodia,
ensemble, nous voulons priver nous de liberté. Et continuer à faire redit, dit, bourriquer pour enrichir. Monde qui a kidnappé nous, c'est place colonial, ils prennent parce que ils ont privé nous de liberté. Ils prennent un seul coup, tout ça nous a redit travail. Nous redit fait pendant toute vie. Monde qui a détruit bien citoyens, craser infrastructure l'État, c'est l'argent taxe nous y a détruit. Quel que soit monde qui a participé dans le projet d'aller peuple à descendre, utiliser même méthode coloniale pour empêcher réaction dans le fait peuple, l'État pas qu'à paix et peuple haïtien pas contre paix. Quel que soit badge qui n'en met, quelle que soit relation, depuis ou a fait Zach, ça pas ça, n'a fait ça ne doit faire parce que peuple a besoin de sécurité. Pour la question, moi t'avais dit non que tout le monde qui là, toutes les fois que on peut condamner à une peine afflictive et infamante, yo là pour capable jouir de droits civils yo et droits politiques. En matière de délit, en matière de crime, moi voulais croire que ça a été une notion élémentaire pour tout le monde qui l'a, pour la presse en particulier, que en matière de délit et de crime, tout citoyen est policier. Autrefois, on disait tout citoyen est gendarme, tout citoyen est soldat. Mais aujourd'hui, nous sommes bien imbus de la remobilisation des forces armées en matière de délits, de crimes. Tout citoyen est gendarme, tout citoyen est policier. La force publique, il paraît seulement au niveau des forces armées et des policiers, mais il était pour population, pour citoyens honnêtes, eh bien, qu'a constaté en flagrance tout délit qu'a commis. Tout crime qu'a commis pour être capable de poter coller avec la police, pour être capable de poter coller avec la force publique, pour être capable d'arrêter et eux-mêmes être capable d'arrêter tout. Cela veut dire que, dans le cas eh bien, de la jeune écolière Evelyne Saint-Cher, nous connaissons que présumé bandit ça, même le dame a fait aveu, nous connaissons que aveu qu'on y a, il n'y a pas la reine des preuves, mais c'est un commencement de preuves que lié. Et bien, dans matière à ça, et bien, ces malfois, ils ont été arrêtés et conduits à la DCPJ. C'est seulement ça que nous sommes capables de dire. Parce que responsabilité citoyenne que chaque monde a dans le pays, eh bien, devant pareil cas, eh bien, il y a une arrestation pour ben qui te fait. Nous pas besoin qu'on ait qui est-ce qui te fait avec qui est-ce qui pas fait, qui est-ce qui complice avec qui est-ce qui pas complice. Ça, c'est travail, la police avec la justice. Il y a une enquête qui est diligentée, il y a une enquête qui est en cours pour capable prendre même l'heure, il y a un monde qui va arrêter. Vous faites du bien à la Bel-Air, tolérance zéro. Delma 18, vous ne pouvez pas passer là-dedans.
Delma 2, c'est la circulation. Bureau de circulation, c'est la gueule. Tout le monde passe dans Delma 18, puis il est capable d'aller dans Delma 2, puis il est capable de retirer un permis de conduire ou bien une licence. La police n'est là pour capable garantir la sécurité, la paix, garantir l'ordre social. Il n'a pas gagné aucun monde qui est au-dessus de la loi. Nul n'est censé ignorer la loi. La police descend normalement dans mes lèvres. La police est monde que rien. Moi, je ne peux pas passer Bel Air parce que son beau de mérite, ce n'est pas là pour passer pour m'aller. Mais mon a circulé Bel Air normalement. Et si que nous sentons que mon Bel Air pas circulé librement, la justice là, à travers le commissaire du gouvernement, la justice là, à travers la police, c'est porter plainte. C'est ça que je dis là, dans l'allocution. J'ai ouais, bouge pas.